Elisabeth, maintenant, ce qui a retenu l'attention du côté de Montréal, c'est que les policiers ont dû intervenir assez vite parce que les esprits se sont échauffés. Voilà, parce que vous l'aurez constaté, là, on parle de deux groupes aux vues diamétralement opposées. D'abord, ce groupe de manifestants associés au mouvement One Million March for Children. Alors, les manifestants dans ce groupe à qui nous avons parlé, là, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'eux manifestaient parce qu'ils ne veulent pas que soit discuté devant leurs enfants à l'école les enjeux et même la notion là, de l'identité de genre. Il y a ensuite eu ce groupe de contre-manifestants, ces gens qui sont venus défendre les droits de la communauté LGBTQ+, des personnes trans. Et là, vous comprendrez, quand les deux groupes se sont rencontrés très tôt ce matin, c'est là, que la tension a monté d'un cran. Et on va voir ensemble la réaction de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui est venue dire finalement que la démonstration de haine que nous avons vue lors de la manifestation anti-LGBTQ+, à Montréal est choquante et inacceptable. Les personnes trans et LGBTQ+, méritent de vivre dans la dignité, le respect et la sécurité. C'est fondamental. Quand la tension a monté d'un cran, ici aussi à Montréal, là, dans le centre-ville, il y a un corridor qui a été formé par les policiers pour séparer finalement les deux groupes de manifestants. Je vous laisse voir ce que ça a donné. Ce sera suivi des commentaires recueillis sur place. Il faut laisser nos enfants tranquilles. C'est pas normal que je vais à l'école pour apprendre comment faire si ça avec des personnes que je connais pas. Si j'ai des questions, je vais voir mes parents. Laissons nos enfants faire leur choix tout seuls. C'est un choix d'adulte. Je respecte tout à fait leurs droits. Ils ont le droit de manifester comme nous on a le droit de dire ce qu'on pense et ce qu'on veut pour nos enfants. Pendant presque toute ma vie, on m'a juste dit que les personnes trans, c'est des personnes folles, avec des problèmes dans la tête, qui devraient toutes se suicider. C'est juste ça qu'on m'a dit toute ma vie. Puis malgré ça, à un moment donné, je suis arrivé au terme que oui, je suis trans. Puis c'est pas quelque chose dont je devrais avoir honte. Et je précise en terminant que les deux groupes de manifestants ont éventuellement pris la rue, marché dans le centre-ville jusqu'à environ 14 heures. Le SPVM nous a indiqué qu'il n'y avait pas eu d'arrestation, pas de blessés non plus. Les deux groupes qui ont marché, évidemment, séparément dans les rues de Montréal. Merci beaucoup pour ce résumé, Elisabeth.